L'accompagnement spirituel, c'est une pratique qui remonte au début de l'Église et du monachisme en particulier, avec souvent un ancien qui acceptait de prendre sous sa direction un disciple pour lui apprendre au fond cette vie de consécration, cette vie monastique, à travers le sens du discernement et du combat spirituel. Aujourd'hui, évidemment, les choses ont évolué. Cette pratique, elle continue, on l'appelle plutôt accompagnement spirituel. Il s'agit pour un aîné dans la foi d'accompagner quelqu'un qui vient vers lui pour justement faire route ensemble, pour grandir dans la foi, pour grandir dans sa vie chrétienne. Alors, c'est une pratique qui est très exigeante parce qu'elle demande de la part de l'accompagnant une grande écoute, et aussi de la part de l'accompagné, eh bien, une docilité. Mais une docilité qui ne doit pas être réduite à une servilité, il reste absolument libre. Et aujourd'hui, c'est un point évidemment extrêmement important, parce que nous savons par l'actualité de l'Église combien de dérives récentes se sont manifestées dans ce domaine, qui sont des dérives évidemment très graves. Et le but du cours, c'est précisément à la fois de montrer la beauté, l'actualité toujours réelle de cette démarche, et en même temps de mettre en garde contre justement tout ce qui pourrait dévoyer cette démarche de façon très grave, comme nous l'avons vu.